Bonjour. Alors voilà, confinement, jour 1. Et je viens vers vous parce que je suis un petit peu curieuse de savoir comment les choses se passent pour vous. De quelle façon est-ce que cette journée s'est déroulée? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres, d'autres qui sont du coup plus compliquées? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont réveillées? De quelle façon est-ce que vous arrivez à les gérer? Est-ce que c'est facile avec votre entourage? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que c'est compliqué de gérer le tempérament des autres autour de vous? Est-ce que votre propre compagnie est agréable? Voilà, est-ce que vous faites des choses? Est-ce que vous profitez du temps qui vous est offert? Voilà, je suis un peu curieuse de savoir comment les choses se déroulent pour vous. Je pense pour ma part que j'ai plutôt une grande facilité à l'introspection. Et que, voilà, avec les différentes choses que j'ai pu mettre en place aussi dans ma vie, dans mon quotidien depuis maintenant quelques années, c'est évidemment beaucoup plus facile d'accueillir les émotions qui se manifestent quand elles se manifestent. Il y a aussi certaines croyances vis-à-vis de la vie qui ont été modifiées, qui m'aident bien sûr à me laisser porter, à ne pas m'accrocher, donc à avoir un certain lâcher-prise, une certaine foi en la vie et en un plan absolument parfait. Donc évidemment, ça aide. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je suis curieuse d'avoir un peu vos ressentis à vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, bien sûr, vous êtes invité à mettre des commentaires pour qu'on puisse partager, échanger sur ces différentes thématiques si vous en avez envie. Voilà, donc les différentes émotions qui se ravivent et déjà dans un premier temps de s'interroger par rapport à est-ce que je me sens en bonne compagnie quand je prends du temps avec moi-même? Voilà, ça je trouve. Ou est-ce que finalement je peux m'apercevoir grâce à cette expérience que ces émotions qui se réveillent sont désagréables et que je suis tentée de faire des choses pour ne pas ressentir les émotions qui s'expriment à l'intérieur de moi. Genre des sorties, des apéros avec des copains, des voyages, voilà, toutes ces différentes choses finalement auxquelles on n'a pas accès pour le moment. Donc c'est intéressant à observer. Voilà. Donc voilà, je suis juste curieuse de quelle façon est-ce que vous... Quelles sont les choses que vous mettez en place par rapport au temps qui vous est offert dans ces moments de confinement. Je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite plein de belles choses. Ciao, ciao!